Le troisième jeu est tout simplement un cache-cache. Vous connaissez les règles. Attends, comment ça se fait qu'on réapparaisse à chaque jeu? Arrêtez de poser des questions logiques. Bien, que le jeu commence. Je n'accepte pas ma défaite! Oh wow, tu es une fille très rusée. Dis, je peux te donner une bourse d'études d'Harvard si tu me laisses la vie sauve. On est trop fort au casse-cache. J'avoue que les autres sont stupides. Les gens stupides font toujours des trucs stupides. Tout le temps. Mais pas nous. Wouah! Ça, c'est vraiment pas de bol! Ah, quelle bande d'idiots! Et zut! Est-ce que t'as vu ça? Moi j'ai vu ça! Espèce de ruffien pollen! Je devrais peut-être... Mesdames et messieurs, nous avons un gagnant parmi nous. Bienvenue au deuxième jeu. Vous devez deviner quelles plateformes sont fragiles ou sûres. Vous avez 2 minutes pour traverser le pont. Partez. Oh bah chouette alors, c'est du gâteau. Vous voyez les copains, vous devez juste sauter sur celle que vous pensez être la mauvaise. Ça s'appelle la psychométrie inversée. Eh bien, tu penses que c'est laquelle? Attendez, j'ai compris. La plus fragile devrait se briser si je balance des rimes enflammées à une haute fréquence. Oh Boris, je vais encore gagner Boris. Et tu sais pourquoi Boris? Ferme ton clapet, sapristi! Car je vais tricher Boris. Elle est pour toi Drake. Among us. Y'a des gens qui arrivent à comprendre ce qu'il dit? Aucunement. Une minute, je peux voir la différence. J'enseignais le soufflage de verre en 97. En examinant le reflet de la vitre, on peut distinguer la réfraction habituelle de la... Ils ont dû tous avoir 0. Mais on sait laquelle est la bonne. Satan, épargne-moi. T'oserais pas? Fly me to the moon and let me play among us. Deuxième victoire pour Betty! Le temps est écoulé. Au revoir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Alice in Borderland? Nous allons jouer à 1, 2, 3 soleil, mais avec une règle supplémentaire. Celui ou celle qui atteindra la ligne d'arrivée sans être éliminé sera épargné d'une mort lente et pleine d'agonie. Et recevra aussi un coupon de réduction chez Auchan. Oh, nice. Je voulais acheter des double A. 3, 2, 1, partez.
Oh, il a à moi ce coupon, Alex. T'as vu comment je suis rapide? Alex, 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 Alex. Et si on partait en crayon? C'est forcément une bonne idée. Tu peux commencer à faire tes adieux à ce coupon, Boris. Car bientôt il sera à moi. Baliverne, je retiens le record du renard le plus rapide du monde. Et le pirate le plus rapide. Celui qui a pas bougé devait être une vraie tête de nœud, hein, Bonbonne? Ah! Parle-moi, Bonbonne! Allez, petite fille, je peux te donner quelques bons points sur ton carnet, hein? On dirait que c'est Mono et Mono, l'ami! Ha! J'ai tout mon temps! Il vous reste 10 secondes. Oh, sapristi! Haha, victoire! Tricheur détecté. Quoi? Tu n'as pas gagné à la loyale. Et comme on disait autrefois, les mouchards se font moucher. Mais qui utilise encore cette expression? Devinez qui a gagné un coupon de 15 euros chez Auchan? C'est moi! Freddy, qu'est-ce qui se passe? Chut! Doucement! Il va t'entendre! C'est qui, il? Écoute-moi bien. Une grande ombre hante la pizzeria. Ressemblant à Bonnie! Bonnie. Oui, Bonnie! Quand je nettoie les tables, elle est là! Quand je mange ma moutarde, elle est là! Et quand je suis tout seul dans le noir, bah là, il se passe rien. Je vis dans la terreur, craignant qu'elle apparaisse à nouveau. Quoi? Bien le bonjour! Quel beau temps, n'est-ce pas? J'aimerais acheter votre meilleure pizza. Ah! Un parisien! Les gars, quelqu'un a encore volé la piscine à balles. Ah! On a l'air plus cool qu'avant. Qu'on m'explique? Smoothie. Quoi? On a bu le smoothie! Mon invention ingénieuse! Ça rend les objets cuboïdes moins angulaires. On a pas l'air incroyable? Ouais, non merci. Quoi? Pourquoi? Tu ne veux pas être parfaite toi aussi? Oh wow, parfaite? T'es mort si ce truc me touche! Regarde ce qu'il a fait à ce pauvre Head Unit! Peu importe, on peut se retransformer quand on veut, idiot! Alors, vous allez trouver l'hypothèse drôle, mais ça vous ferait marrer si je vous disais que vous allez rester comme ça pour l'éternité? Je ricanerai, c'est pas si drôle que ça. Non! Je vous fais marcher! Bonbonne est répugnant! Je peux plus le voir comme ça! Tu veux dire que je pensais comme ça? Non, 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 les gars, pensez positif! Avec votre nouvelle apparence, vous n'avez plus besoin de vous. Les deux dinosaures sont désormais prêts pour l'accouplement. C'est pas ce que tu crois. Chut! Il y a quelqu'un qui me suit. Est-ce que c'est Sam Neill? Il est pas mort. J'en sais rien. Salutations, mon adversaire. Oh, c'est lui. Ferme la porte, il fait froid. Silence, toi! Le chat, je te défie! Un rap battle! Je t'ai dit non! Pourquoi? Je t'y contrains par le pouvoir du rap! Drake, Boba, Nino, Orelsan, Kenyé, Big Flo et Oli, Snoop Dogg! Ouais, pour être honnête, je pensais qu'il était un petit peu plus loin. Un petit coup de main ici, s'il vous plaît! Oh mon Dieu! J'arrive pas à croire qu'il y ait tellement de jouets ici! Qu'est-ce que... Elles sont vivantes? Oh mon Dieu, c'est comme Toy Story! Non! Y'a pas de jouets vivants, va-t'en! Non, ils étaient en train de bouger tout seuls! Oh non,
Allez, petit dino, bouge comme Rudy. Hé, arrête. Arrête de courir partout dans l'usine. Alors attrape-moi, gros poilu. Tu l'aurais voulu. De quoi? Aou! Mais c'est quoi ton problème? Wow, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Bienvenue au journal de 20h. Ce soir, on accueille la plus grande star de 24 carats. On l'adore, je l'adore, Bob l'adore. Faites du bruit pour Golden Circus Baby. Salut. Bon, entrons dans le vif du sujet. L'orme, voyez, votre peau scintillante fascine la nation. Quel est votre secret? Eh bien, Goina, mon placage vient de ceci. Des fast coins en or massif. Waouh, du vrai or, hein? On va vérifier ça tout de suite, ok? Oh, pas besoin de faire ça. Je pense que oui. Sérieusement, vous savez pas où c'était? Alors on va découvrir ça ensemble. Non, attendez! Attends une seconde, c'est pas de l'or! C'est de la composition laiton zingué! Arrêtez-la! Vous, les robots, vous aimez être arrêtés? Non, parce que ça arrive littéralement tous les jours. Tais-toi. Flash info! Les bilans de météo de ce soir sont extrêmement normaux! Et accessoirement, l'apocalypse zombie a commencé. Hé! Hey oh, mais t'as essayé de me mordre! Oh, je suis désolée, je voulais pas te faire du mal. Oh, tout va bien, elle voulait pas me faire de mal. J'aurais pu devenir un zombie! Comment réagirais-tu si je te mordais le bras, toi, hein? Bip! Flash info! Une apocalypse animatronique a commencé! Plus d'infos après cette page de pub! Mais utilisez la porte! Bleu. C'est le costume le plus ridicule que mes vies restant jamais vu. Costume? Sache, la donzelle, que je suis une véritable grande menace des mers. Bien sûr. Et moi, je suis le capitaine Crochet. Vraiment. Je reconnais un imposteur quand je le vois, en sachant que je suis une vraie capitaine pirate. Ah, vraiment? Et où est donc ton crochet, hein? Tu veux dire mon couplat? Les crochets, ça fait trop les années 1700. C'est vrai, un véritable pirate n'est rien sans son fidèle chapeau. Il m'accompagnait toujours sur la dunette. Un véritable pirate n'a pas honte de montrer ses cicatrices. Je ne sens plus mes jambes depuis des années. Un vrai pirate n'hésiterait pas à prendre des otages. Le vrai pirate ne laisse pas de survivants. Et ton putain, tu l'oses si bien que le mien. Et que penses-tu de mon bateau? Bang! C'est ça qui arrive sur terre! Non, non! 10 ans d'accordéon! Et putain! De cicatrices! Et plus de... J'ai oublié ce que je voulais dire. Aïe. Ça doit être leur premier duel. Il me faut un challenger. Je crois que t'es pas arrivé à bon port. Personne ne peut vaincre Foxy, le renard pirate. Un renard? Il ressemble plus à un petit chaton. Hey, ferme ton clapet. Au contraire, mon ami félin. Je vais pas me gêner. C'est parti pour un rap battle. 3, 2, 1, go! D'où sort tous ces tridents? À toi, le chat! Face, gibier de potence. Tu
sais, tu devrais vraiment utiliser l'autre main quand t'essuies. Oh mon dieu! Regarde! Un Among Us du jeu vidéo! Among Us! Regarde, il y en a un autre! Et un autre! Mon dieu, il y a des Among Us partout! Ou des Among Guy? Des Among Girls? Peu importe. Waouh, j'arrive pas à croire qu'Among Us existe! Ouais, comme le Père Noël! Et non. Oh! L'imposteur dit quoi? Hein? Non, mais t'es censé dire que. Oh, laisse tomber. L'imposteur dit hein? Quoi? Ah! Among Us, Among Us, Among Us, Among Us! C'est ça, votre honneur. Mon poteau Freddy ici présent est l'imposteur! Quoi? L'imposteur? Mais c'est pas moi l'imposteur! C'est sûrement lui l'imposteur, il m'accuse d'un coup! Écoutez, écoutez, frères et sœurs haricots! Il est armé! Quoi? Among Us! Quoi? Vous vous fichez de moi? Patience! Les gens, je suis encore là. Je suis coincé à la main du tueur. Si vous m'aidez, je nettoierai vos casques. Attendez, non, non, pitié. Ah, attends, on est des robots, on peut respirer ici. Ha, y a rien à craindre. Tu es très désagréable. Oh, je suis impatient de lire un bon livre. C'est bien le club de littérature. Fantastique, un nouveau membre. Wow. Installe-toi confortablement. Très bien tout le monde. Aujourd'hui, on va lire Boucle d'or et les trois ours. Tout près de la forêt, psst, habitait une petite fille qui avait les cheveux si longs et si bouclés qu'on l'appelait... Wow. Merci. Oh non, Scott, qu'est-ce que tu lui as fait? Oh ouais, ça. J'ai tendance à m'énerver quand on s'approche trop de mon mec. Reprenons. Les trois ours décident de faire une petite promenade en attendant que le déjeuner refroidisse un peu. Moi. Y aurait-il un problème, Freddy? Non. Bien. Le petit ours, regardant son bol, dit « Quelqu'un a mangé toute ma soupe !» Le grand ours avança dans la pièce et vit sa chaîne. Et pour terminer, le moyen ours alors vers sa chaise. Enfin, tu t'es pour moi toute seule. J'ai un gros crush sur toi, Freddy Fazbear. Embrasse-moi. Eh bien, il fait un peu sans briser. Est-ce qu'il y a un problème, Freddy? Bien sûr. T'as tué toutes mes amies. Enfin, je les connais depuis seulement 1 minute et 22 secondes, mais... Arrête de parler d'eux. Parlons plutôt de nous. Qu'est-ce que tu préfères chez moi? Tu as une bonne posture. Posture. Ouais, c'est super important pour la santé. Oh, je suis vivant! Maintenant qu'ils sont hors de la vidéo, on peut enfin être ensemble. Pour toujours. Juste nous deux. Attends, c'est une compilation? Non, non! Pitié, me laisse pas! Quelle idée sensationnelle! Ouais, elle est bonne, celle-là. Sense! Sense! Viens voir! J'ai enfin réussi! J'ai attrapé des humains! Ouais! Laisse-nous sortir! Je suis très en colère! Tu vois? Des humains! Je pense pas que c'est des humains, frérot. Tu devrais les libérer. En fait, on reste là-dedans par politesse. Silence, vous! Bien sûr que c'est des humains, Sense! Je le sens dans ma jugulaire! Je pense pas que ce soit des humains. Mais ça, oui. Hein? Diantre! Je suppose que je dois laisser les non-humains partir. Ah, mauvais bouton. Eh frérot, je crois qu'on devrait se débarrasser de ce mauvais bouton. Allez, salut tout le monde. Allez, petit, tu le veux pas? Hey, je vois que toi aussi tu te défoules sur les gosses pour oublier la douleur de ta vie ratée. Et toi? Ah ouais. Et ta couleur préférée, c'est le... Violet. C'est dans le nom, Carigna. Ok, dernier truc avant de préparer notre mariage.
La couleur de ta voiture est... violette. Qu'est-ce que t'as dit? Ben, un pinceau. Pourquoi? Tout ce que t'avais à dire, c'était violette. Espèce d'ignorante. Dégage, gamin. Freddy, j'ai eu quelque chose que tu m'as dit que j'aurais jamais. Des jambes. Non, une copine. Une quoi? Bonjour. Qu'est-ce que... Elle n'est pas ravissante. Arrête, c'est toi le plus mignon. Et cette couleur? Arrête ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça te dit qu'on se casse d'ici pour aller s'amuser un peu? Oui. Ma chère Bonnette, oh, tu es toujours aussi magnifique. Je pense qu'on devrait rester amis. Quoi? Bon, je dois y aller. Salut. Quelle perte de temps! Allez, on se prend des hot dogs. Attends, elle est passée où? Hein? Boris, on rentre à la maison. Boris? Je suis pas Boris, hein, Cal. Je suis Foxy. Ah, Boris, mon cher ami, tu ne peux pas me berner. Ta petite truffe est reconnaissable de partout. Cesse de m'appeler Boris, sale gredin. Qu'est-ce qui te donne cette idée? L'idée? Sois maudit! Ah, pourquoi fais-tu la tête? Tu adorais le vieux gag de l'ampoule. Oh, c'est comme si tu n'étais pas Boris. Parce que c'est le cas. Quel rigolo, c'est Boris. Arrête de m'appeler Boris. Tu me fais marcher, Boris. Je vais te lâcher comme un dallo si tu m'appelles Boris une fois de plus. Boris. Quoi? Rien. Oh, mon Kraken, épargne-moi. C'est l'heure de rentrer, Boris. Bendy, que t'ai-je dit à propos de créer des portails vers le royaume de l'encre? Désolé, les démons. Vous savez comment c'est. Valora! Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux enlever la grosse ruche sur la fenêtre? Elle fait peur. Ok, montre-moi où elle est. Merci Valora, t'es la meilleure! Bon. Oh oh. Quoi? C'est quoi ce bustel? La maison! Maman! Une méchante dame bleue a cassé la maison! De quoi? Va chercher ton père. Personne ne s'en prend à notre ruche! Hasta la vista! Une ambulance ou... Dégainez! Dur.